Ce match devrait vraiment faire plaisir aux amateurs de foot en général. L'ambiance est superbe, le stade est vraiment multicolore, on devrait bien s'éclater. Il tente sa chance, mais il a manqué le cadre. Même si le tir n'est pas cadré, c'est une bonne façon de rentrer dans le match. Non, le ballon a été intercepté. Encore une belle occasion. Il peut encore avancer. Ils peuvent construire quelque chose. C'est une bonne touche. Que va faire le gardien? C'est beaucoup trop loin du poteau droit. Ça, c'est vraiment la frappe ratée, alors je pense qu'il avait le temps. Encore une occasion de centrer. Mais il y a bien une position d'enjeu. Ils peuvent construire quelque chose. Belle interception qui permet de reprendre le contrôle du jeu. C'est pas mal sur le plan défensif. Il y aura donc tout. Nouvelle occasion de centrer. Le danger est écarté. Thank you.
Il manque vraiment de coordination. Arrêt du gardien. Il prend sa chance. Là, c'est carrément parti au poteau de corner. Et si la défense lui laisse de l'espace comme ça toute la rencontre, à mon avis, il va pouvoir tirer au but pendant 90 minutes. Passe aérienne en profondeur. Si ça gagne pas, ça débarrasse. Le ballon est expédié en touche. Le duel est remporté, c'est bien. Encore une occasion de centrer. La défense a récupéré le ballon. Ils peuvent construire quelque chose. Arango. Sur ce coup-là, le gardien peut vraiment remercier sa défense. Nouvelle occasion de centrer. Le ballon subtilisé par l'adversaire. De centrer. Bien. Bien sauvé par le gardien et bien joué de la part du défenseur qui écarte le danger. Le ballon est intercepté. Il y a bien hors-jeu, bien vu de la part de l'arbitre. Il y a faute, c'est sûr, coup franc. Qui va le tirer ? Encore 15 minutes avant le coup de sifflet de la mi-temps. Nouvelle occasion de centrer. Chichkin. Frappe! Aïe! C'est but comme c'est dit, il fait mal au moral, il arrive au mauvais moment. Mais bon, il reste du temps. Ils ont ouvert la marque, 1-0. Là, je peux vous dire que l'entraîneur va avoir les boules quand il va rentrer au vestiaire. Son équipe, pour relancer le match, va être obligé de remettre les choses à égalité. Sinon, il risque de s'enfoncer encore plus. Donc, il va être à égalité. Un peu trop dévissé à droite. C'est dommage, parce que là, la finition n'est pas à la hauteur de la préparation. Ils peuvent construire quelque chose. Attention, c'est parti très vite. L'attaque est stoppée, ça donnera rien.
l'éloigne de la tête. Il décoche un tir. Bonne maîtrise du goal. Ses partenaires sont prêts à recevoir le ballon. Dans la surface, c'est très chaud. Oh, que c'est dur. Oh, que c'est dur à ce moment précis. Franchement, c'est peut-être à lui qui va leur couper les jambes. Et en marquant comme ça, en frappant le poteau gauche, il nous dit à la fin du match qu'il a fait exprès, l'homme pourra dire que c'est un grand joueur. Zéro, c'est vraiment une bonne avance. Ah là, ça va devenir difficile. Là, le marquage est mauvais, les joueurs n'en reviennent pas, c'est sûr. Dans tous les cas, il est important qu'ils reviennent aux choses fondamentales du foot, qu'ils se resserrent les coudes et qu'ils reviennent dans ce match. Le joueur frappe. C'est donc la fin de la première mi-temps. C'est étonnant qu'ils soient menés au score dans cette rencontre, parce qu'ils ont largement contrôlé le jeu. Mais il devrait rajouter, à mon avis, un ailier pour contourner la défense et adresser un peu plus de centre. Et les joueurs regagnent le vestiaire sur le score de 2-0. Début de la deuxième mi-temps. Allons-nous avoir une seconde période aussi disputée? L'entraîneur doit savoir où il va car il n'a fait aucun changement, même si son équipe est menée. Quelle frappe! Directement dans les tribunes, une occasion de perdu. En général, quand on a des occasions comme ça, il vaut mieux les mettre au fond. Hein, parce qu'après, on ne sait jamais ce qui peut arriver. Attention, il frappe. Une belle frappe, c'est avant tout une frappe cadrée. À mon avis, il a senti un défenseur venir derrière lui, c'est pour ça qu'il s'est précipité sur le tir. Oui, la demi-volée. Une occasion gâchée, c'est plutôt maladroit. Et heureusement qu'ils ont deux buts d'avance, parce qu'à force de tirer dans les tribunes, ils vont blesser un spectateur. Bon réflexe, bien joué. Coup franc sifflé par l'arbitre, action stupide. C'est vraiment loin. C'est chaud bouillant. Le gardien peut remercier son défenseur, assez efficace. Attention, il peut marquer. Il tire à nouveau. Oh, c'est mal joué, c'est encore trop loin du but. Et pour marquer un but dans un angle fermé comme ça, il faut être un magicien. Méchant tacle, sanctionné d'un coup franc. Ça ne va pas être facile d'ici. Allez, bien joué! Va-t-il trouver le bon timing? Le gardien a touché la balle, corner. C'est un tir brossé. Comportement inadmissible, l'arbitre chiffre, c'est normal. A été intercepté. Nouvelle occasion de
centré. Bonne réaction de la défense. Le gardien est en danger. Le défenseur était là, il a pu dévier. Premier changement de leur côté. Ce joueur est capable de faire basculer le match. Mais tout va dépendre de son efficacité. Le public, lui, n'attend que ça. Ballon travaillé vers la cage. Arrêt du gardien. 15 minutes dans la seconde période. Ils se remettent à attaquer et ils ont bien raison. Il faut vraiment tenter quelque chose pour rester dans le match. C'est chaud pour le gardien. Il a dégagé. Tactiquement, ça joue assez bien, mais maintenant l'essentiel, c'est de marquer un but. Ça peut être extrêmement dangereux. Arango. Faut accorder, mais oui, c'est trop physique. Kalinichenko. Il l'écarte du point. Pour Arango. L'entraîneur le sait, la meilleure défense, c'est l'attaque. Désormais, il faut contrer. Ça ne fonctionne pas. Sur le plan tactique, le ballon circule bien. Vont-ils déclencher une attaque? On va le savoir dans quelques secondes. Une défense intraitable, superbe. Bistroff. La touche finale laisse vraiment à désirer. Même si ça ne réussit pas tous les jours, c'est le genre de frappe qu'il faut tenter. Au moins, ça fait reculer la défense. Bistroff, auteur d'une passe décisive depuis le début du match. Encore une occasion de centrer. Bon dégagement. Oh, ce ballon va remonter très vite. En profondeur, bien joué. Il va pouvoir marquer. C'est au fond, bien joué. Il reste du temps pour en marquer d'autres. Et s'il marque à chaque fois qu'il rentre, il va sûrement rester toujours en place. Écoutez le stade gronder après ce but concédé. Franchement, ça ne plaît pas au public. À 2-1, l'avance est mince. Chichkin. Pressing super efficace. Encore une belle occasion. Il a complètement gâché cette occasion.
C'est dommage qu'il n'ait pas le bon geste dans la finition. C'est encore une occasion de gâcher. Que va-t-il faire? C'est maintenant une remise en jeu. Gardien le lâche. Ils ne marqueront jamais s'ils ne visent pas le cadre. C'est dommage parce que là la finition n'est pas à la hauteur de la préparation. Bon ballon. Le déclic, ce serait un but, mais ça ne vient pas. Il faut vraiment du mordant chez les attaquants. Encore une occasion de centrer. Bien joué, la demi-volée. C'était une balle de but, mais il faut être précis. C'est dommage qu'il n'ait pas le bon geste dans la finition. C'est encore une occasion de gâcher. L'entraîneur apporte quelques améliorations. Bistroff. Ah, ils se font déposséder du ballon. Kalinichenko. Il manque vraiment de coordination. Ils peuvent construire quelque chose. Corner, excellent travail de pressing de la part de la défense. C'est un tir brossé. Il arrive vraiment trop en retard. Une superbe occasion d'accroître le score. Ils échappent au danger au prix d'une remise en jeu. Est-ce qu'il peut frapper? La défense est solide. Bourraonde. Les défenseurs semblent un peu perdus. Les tacles ne servent à rien. Attention, ça peut être dangereux. Tire du droit, mais il en faut plus pour battre le gardien. Nous avons atteint les 15 dernières minutes de la rencontre. Au niveau de la circulation, c'est vraiment du super boulot. Le dispositif est bien huilé, le ballon part dans tous les sens. Attention le défenseur, il faut revenir. Ballon gagné. Bon travail et bonne possession du ballon. S'il réussit son centre, il peut égaliser. Attention au positionnement, il est hors jeu. Très bon de la tête. L'agressivité n'est pas bonne, coup franc. Carton jaune, à mon avis, c'est un peu sévère, mais l'arbitre a voulu montrer qui était le patron. Il pourrait aussi l'envoyer dans la surface de réparation. C'est bien joué, en profondeur sur le côté. Nouvelle occasion de centrer. Ça chauffe dans la surface.
Bonne maîtrise du goal. Kalinichenko. Hors jeu, il faut surveiller le placement. Oh, ce ballon va remonter très vite. Pas bien donné. Kalinichenko. Joli appel en profondeur sur le côté. Encore une occasion de centrer. Du pied, dégagement sûr. Pour Arango. Kalinichenko. Pour Arango. Bistrov. Bon retournement de situation, il a le ballon. Erreur de la défense sur le côté. Va-t-il marquer? Il vise la cible. Le gardien a le jeu en main. Avec un peu de chance, ça peut aller au fond. Il a dégagé. Ça peut être dangereux. Long dégagement en avant. Le duel est remporté, c'est bien. Un seul but d'écart et ce sont les 5 dernières minutes. Il faut atteindre la cible. Voyons si nous allons constater un effet sur le terrain. En or sur ce ballon volé. Il y a du but en l'air. À quelques millimètres près, c'était dans la cage. Ça, c'est vraiment l'occasion gâchée de revenir au score. Ils avaient fait le plus dur. Dommage qu'ils aient les pieds panés. L'entraîneur veut sûrement appliquer une nouvelle tactique. Bien joué. Encore une belle occasion. Trajectoire coupée par le défenseur. Encore une occasion de centrer. Facile pour la défense. À reprendre le ballon. Non, la charge n'est pas bonne, dit l'arbitre. Voyons si nous allons constater un effet sur le terrain. Il va marquer. C'est presque cadré. Quelle frappe! Et ce ballon qui ne veut pas rentrer, l'entraîneur a trop la rage. Il savait combien cette occasion était importante pour prolonger son contrat. Thank you.
Ils ont pris le bon chemin, le ballon tourne bien. Il faut encore gagner quelques secondes. Une seule minute d'arrêt de jeu. Pour Titov. Il lui faut un espace pour cadrer. Peut-il marquer? Ils peuvent construire quelque chose. Nous allons voir si les calculs de l'entraîneur sont justes. C'est terminé, c'est l'heure de regagner les vestiaires. La prestation n'a pas été très convaincante, ça manque de rigueur, de précision, d'enthousiasme. La...